Aujourd'hui, je vous parle de l'extension Anchor Splendor de l'excellent Cloud Spire qui sera sur Kickstarter dès demain, le 14 avril. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter encore une fois une nouvelle faction de l'extension Anchor's Plunder de Cloud Spire, extension qui sera disponible sur Kickstarter à partir de demain, le 14 avril. Lors de ma dernière vidéo que je vous ai proposée la semaine dernière, je vous ai présenté la faction du nom de Horizons Wrath, une faction de pirates. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, je vais la faire apparaître dans le coin de l'écran en ce moment et vous pourrez par la suite revenir voir cette vidéo où nous nous attaquerons cette fois-ci à une nouvelle faction que cette extension propose du nom de The Uprising. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous donner des informations de base sur la faction. Par la suite, nous allons regarder en détail chacune de ces unités et on regardera par la suite pour finir les détails des améliorations qu'il est possible de débloquer dans la forteresse. Alors commençons tout de suite par les informations générales. Alors nous avons présentement sous les yeux les différents éléments de jeu en lien avec la faction The Uprising. Vous remarquez deux choses à prime abord, c'est que premièrement cette faction n'a vraiment pas beaucoup de jetons, d'unités, de héros et de spires. On y reviendra dans quelques instants et vous remarquez que cette forteresse n'est pas attachée au reste du plateau de jeu. Ce n'est pas une erreur ou quoi que ce soit, c'est parce que la nation The Uprising représente une civilisation cachée avec des contacts un peu partout et va faire faire sa sale besogne par les autres. Donc il s'agit d'une faction qui va avoir accès à un énorme éventail de mercenaires et leur forteresse est hors d'atteinte pour les autres factions. Par contre, ils auront un moyen de se rendre sur encore le territoire du jeu, en fait, sur le plateau, grâce au portail que l'on voit juste ici sur notre forteresse. Donc, nos adversaires ne pourront jamais venir attaquer notre forteresse. Par contre, évidemment, il y aura une façon pour nous de perdre la partie et également de déployer nos unités sur le plateau. C'est pourquoi, en cours de mise en place, vous devrez, comme dans la mise en place habituelle de Cloud Spire, à tour de rôle, dévoiler un hexagone pour former le plateau central. Et le premier hexagone que vous allez dévoiler, ce sera celui qui va contenir votre premier Warp Gate, votre premier portail. Donc, si je décide de dévoiler cet hexagone juste ici, lors de la mise en place, je vais choisir un emplacement avec de la source, par exemple, sur cet hexagone et je vais y placer mon Warp Gate en me débarrassant du jeton Landmark qui aurait normalement dû être placé. Et c'est à partir d'ici que mes unités, lors de la phase de déploiement, vont apparaître. Et ce qui est vraiment particulier avec la faction de The Uprising, c'est qu'ils ont de nombreux portails. Alors oui, vous l'aurez deviné, il y aura façon de positionner nos différents portails sur le plateau pour décider en cours de partie de quel portail on désire que nos unités soient déployées. Et on peut même, si on le désire, diviser notre vague de déploiement en deux, en trois, ou peut-être même en quatre, si vous avez réussi à mettre en place vos quatre portails, pour avoir des unités qui sont déployées à quatre endroits différents sur le plateau. Alors, tout cet aspect de planification est très, très, très mathématique, mais vous devez savoir que c'est l'une des choses particulières à cette faction. La deuxième chose à prendre en considération, c'est que, justement, comme je vous le disais, cette faction n'a pas accès à un grand éventail d'unités, de héros. Ce sont vraiment une civilisation qui vit en ermite, dans les profondeurs de cet univers. Et on aura accès à une tonne, mais une tonne de mercenaires. Alors vous avez sous les yeux, juste ici, les mercenaires qui allaient se retrouver dans le marché, dans le jeu de base. Et ce que je vous ai mis ici, ce sont les jetons qui sont
ajoutée uniquement dans l'extension Inkar's Plunder, c'est parce que, entre autres, pourquoi on en a autant, c'est parce que la faction The Uprising, à chaque tour, va pouvoir aller récupérer des mercenaires de façon très, très, très efficace, rapide et sans avoir besoin de payer lorsqu'ils désirent les récupérer. Donc, ces jetons, on pourra les mélanger à ceux du jeu de base pour avoir une tonne de possibilités dans le marché. Mais lors de la mise en place, les joueurs vont, par exemple, piocher des jetons mercenaires jusqu'à ce qu'ils réussissent à piocher deux unités, deux spires, un équipement et un héros. Tout le surplus serait défaussé temporairement et vont ajouter à leur baraque ces différentes unités qu'ils auront récupérées. Les équipements vont être mis de côté, les héros vont être disponibles dans leur baraque pour possiblement être déployés, les mercenaires unités vont être placés dans leur baraque également, les spires aussi, et les fameux warp gates restent toujours disponibles. On en reparlera dans quelques instants. Donc maintenant que vous avez les grandes lignes de cette faction, allons voir un peu plus en détail les habilités des unités qui lui sont propres. Commençons avec notre fameux héros. Donc la faction The Uprising n'a qu'un seul héros qui lui est propre. Il s'agit de Netorut, juste ici. Alors ce héros, comme toutes les autres unités, sera déployé à partir du portail. C'est à partir d'ici qu'il pourra se déplacer sur le plateau de jeu. Puisque c'est un héros, eh bien il est libre de ses déplacements. On remarque qu'il a deux habilités de son côté régulier. Il a Lookout d'une portée de 3, ce qui lui permet de voir à distance qu'est-ce qui se cache sous les jetons Landmark juste ici. Et il a également l'habilité Hunter, qui fait en sorte que ces unités qui ont cette habilité sont plus efficaces pour se battre contre les créatures Landmark, comme par exemple les fameux dragons qu'on pourrait retrouver ou les différentes créatures que l'on pourrait rencontrer sur le plateau de jeu. Ils vont donc infliger un point de dégâts supplémentaire. Mais on connaissait déjà ces deux habilités, parce que ce qui est particulier avec Netorut, c'est que lorsqu'il sera promu de son côté avancé, son habilité Lookout va maintenant être décuplée, va passer à une portée de 5. Mais ce qui est particulier, c'est surtout son habilité Build Warp Gate. Donc du côté promu, Netorut aura la possibilité à partir de maintenant de bâtir de nouveaux Warp Gate, de nouveaux portails en jeu. Pour cela, il doit être à côté soit d'un puits de source et va pouvoir, avant ou après son déplacement, construire le portail à cet endroit, où il pourrait très bien décider de défausser le jeton Landmark pour construire le Warp Gate. Dans ce cas-ci, on arrive donc à deux portails, ce qui fait en sorte que pendant la prochaine phase de déploiement, le joueur qui incarne The Uprising aura le choix dans quel portail il désire déployer ses unités. Il peut même les diviser dans les deux portails si c'est son choix, si c'est son désir et si c'est avantageux pour lui. Par contre, faut pas penser que c'est trop puissant. Il y aura des choses à prendre en considération, on y revient dans quelques instants. The Uprising a également deux unités qui lui sont propres. Nous avons Militia Defender et Militia Ranger. Donc des unités assez standards. Une qui a 2 points de vie, 2 points d'attaque, 2 points de mouvement avec Air Defense. Donc elle pourra prendre pour cible les unités qui ont Flying. Et nous avons également Militia Ranger qui a 2 de portée. Donc elle également pourra attaquer les unités qui ont l'habilité Flying, mais à distance, tandis que Militia Defender peut le faire, mais au corps à corps seulement. Donc ces unités n'ont pas quoi que ce soit de particulier, même qu'elles ne peuvent même pas être promues, parce que de l'autre côté, il s'agit tout simplement de l'autre unité. Donc il est possible de déployer soit une de chaque, ou tout simplement déployer deux unités du même type. Mais lorsqu'elles seront détruites, elles vont retourner dans notre baraque. Je vous parle maintenant des deux spires auxquels The Uprising a accès. Nous avons ici Robber Rooster, qui est une spire assez standard avec son 1 point d'attaque, 1 point de portée. Elle a une capacité maximum
bombe d'amélioration de 2 lorsqu'elle est mise en jeu, elle est déjà à capacité maximale. Elle a Air Defense, donc elle peut nous permettre de nous défendre contre les unités flying qui viennent attaquer notre forteresse ou nos unités. Mais nous avons également Justicier Rebuilt Runes, qui n'a pas des statistiques vraiment très excitantes avec son 1 point d'attaque et une fortification qui fait en sorte qu'elle est plus résistante. Par contre, elle peut avoir une capacité maximale de 4 améliorations, mais surtout a l'habilité Upgrade Plans, qui fait en sorte que chaque amélioration que nous allons construire sur cette Spire va nous coûter une source de moins. Alors, améliorer cette Spire et en faire une machine à tuer est beaucoup, beaucoup plus efficace, plus rapide, surtout considérant qu'elle peut accueillir jusqu'à 4 améliorations. Mais c'est le même principe. De l'autre côté, on retrouve l'autre type de Spire. Donc, pour ce qui est de la faction The Uprising, on a vraiment un héros, deux créatures, deux minions, et nous avons seulement 2 Spire aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, par contre, lors de la mise en place, on aura garni notre baraque avec différentes unités que l'on aura récupérées du marché gratuitement. Un héros supplémentaire, 2 unités et 2 Spire. Ça pourrait être n'importe quoi. Dans ce cas-ci, vous voyez quelques exemples des unités que l'extension va proposer, mais ça aurait pu être n'importe lesquelles. Mais il ne s'agit pas d'unités propres à la faction, les autres joueurs lors de la phase de marché auraient très bien pu les récupérer. Et d'ailleurs, parlant du marché, la faction The Uprising a un autre avantage, puisque celle-ci a peu d'unités qui lui sont propres, eh bien, elle a une grande flexibilité au niveau de l'utilisation du marché. Comme n'importe quelle faction au début d'une vague, eh bien, il y a différentes étapes à prendre en considération. La phase de planification, celle de revenus, celle des événements. Il y a également celle du marché où tous les joueurs ont la possibilité d'aller consulter les différentes unités ou opportunités qui se trouvent au marché. S'ils le désirent, ils peuvent en acheter seulement une. On remet alors un nouveau jeton disponible et on continue en faisant le tour de la table. Pour ce qui est de la faction The Uprising, c'est totalement différent. Allons voir d'un peu plus près. Premièrement, cette faction aura le choix, comme les autres, de récupérer n'importe quel jeton qui est là. Par contre, elle pourra le faire gratuitement. Elle n'a pas besoin de payer le coût en source qui est indiqué sur ce jeton. Par contre, elle devra le payer plus tard lorsqu'elle voudra déployer l'équipement, l'unité, la tour ou le héros. Donc, ça lui permet tout simplement une plus grande flexibilité. Elle n'a pas besoin d'avoir les sources nécessaires lorsqu'elle acquiert le jeton, mais elle devra quand même y avoir accès lorsqu'elle voudra le déployer. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tous les joueurs auront récupérer ou ont terminé leur phase de marché, la faction The Uprising a une autre phase de marché propre à elle-même, mais un peu différente. Elle pourra faire 3 actions parmi les 2 actions suivantes. La première opportunité qu'elle a, c'est de récupérer n'importe quelle unité, Spire, équipement qui se trouve disponible au marché, encore une fois, gratuitement. Elle pourrait décider de faire ça 3 fois encore, donc elle a 3 actions, donc elle pourrait décider de récupérer les 3 jetons qui sont là, totalement gratuitement, et ajouter ça à sa baraque. Mais l'autre possibilité que la faction a également, ce serait de, par exemple, récupérer ce jeton, en remettre un autre, et si rien ne l'intéresse comme deuxième action, elle peut décider de se débarrasser de tous les jetons qui sont disponibles, en mettre 3 nouveaux, il resterait donc alors une action, pourrait décider de prendre celui-ci et d'ajouter cela à sa baraque. Alors vous voyez à quel point la faction The Uprising a une grande flexibilité en termes de construction de son armée, c'est vraiment le joueur qui incarne cette faction qui pourra regarder ce qui est disponible au marché et construire son armée en fonction de ce qu'il préfère. Alors ça, c'est très intéressant. Par contre, n'oubliez pas que même si on ne paye pas la source lorsqu'on récupère le jeton, on devra tout de même payer la source lorsqu'on va déployer l'équipement
ou la Spire, s'il s'agit d'une unité, donc d'une créature ou d'un héros, alors on n'aura pas besoin de payer en source. On va considérer que le coût qui est inscrit sur le jeton sera en CP, donc des points de déploiement. Donc ça sera à prendre en considération. Avant de vous parler des améliorations de la forteresse, laissez-moi vous parler de comment les adversaires peuvent faire pour nous vaincre s'ils ne peuvent pas atteindre notre forteresse, comme on disait au début de cette vidéo. Donc, vous remarquez qu'en cours de partie, nous allons déployer les fameux Warp Gates qui jouent le rôle un peu de portail. Ces portails vont agir de la même façon que l'entrée de votre forteresse que les adversaires en temps normal doivent s'y rendre et l'attaquer. Donc, en déployant ces portails, certes, vous aurez plus de flexibilité pour déployer vos unités, surprendre vos adversaires, avoir accès à des coins du territoire qui étaient difficilement accessibles auparavant. Par contre, chacun de ces portails est une opportunité pour vos adversaires d'infliger des points directement à votre forteresse. Dès que votre adversaire réussit à atteindre l'un de ces portails, il devra le déclarer lors de la phase de déploiement, au début de la phase de combat, il devra déterminer quel portail il vise, et lorsqu'il va arriver à proximité, il va l'attaquer comme s'il s'agissait de la frontière de votre forteresse et va infliger donc des points de dégâts à votre forteresse. Donc c'est vraiment à double tranchant. Ceci étant dit, allons voir les améliorations de notre fameuse forteresse. Côté amélioration, la forteresse en est vraiment garnie, tout plein d'opportunités et de choses à explorer. Vraiment génial. Commençons juste ici avec The Rogue Garnison, juste ici. Donc cet avancement peut être amélioré trois fois. La première fois que vous allez l'améliorer, vous allez récupérer le dé juste ici. Ce dé va vous récompenser à chaque phase de marché si vous décidez de récupérer un jeton avec la même habilité ou la même catégorie que ce que vous avez roulé. Donc il y a les différents types de jetons sur ce dé: héros, créatures, équipements, spire. Vous le roulez avant votre phase de marché, et si pendant votre phase de marché vous décidez de récupérer ce que vous avez roulé, vous gagnez un CP supplémentaire pour votre vague. Ça peut être intéressant. Il y a également la possibilité, si on continue d'améliorer cette partie de notre forteresse, d'avoir encore plus de flexibilité au niveau du marché. Vous aurez maintenant accès à un marché privé, donc deux jetons toujours et constamment disponible uniquement pour vous, qu'il sera possible de récupérer dans la phase correspondante. Et finalement, si vous récupérez l'avancement final de cette amélioration, vous pourrez maintenant placer des équipements sur vos créatures, pas uniquement sur votre héros. Donc, beaucoup de flexibilité au niveau des règles habituelles avec The Uprising. On continue avec la prochaine section, juste ici, le Thieves' Den, le repère des voleurs. Dans cette amélioration, la première phase de cette amélioration va vous permettre, à chaque fois que vos créatures, que ce soit des héros ou des créatures, des minions, vont dévoiler un landmark, vous allez récupérer deux sources. Alors vous êtes grandement encouragé à faire de l'exploration. Si vous continuez à améliorer encore une fois cette partie, vous allez donner l'habilité Hunter à toutes vos créatures. Donc toutes vos créatures vont être plus efficaces pour combattre les landmarks. Et finalement, si vous arrivez à la dernière phase, vous allez gagner le dé ici de la prime. Donc ce dé vous permet de mettre une prime sur la tête d'une créature. Vous allez rouler ce dé une fois par vague, vous allez consulter son résultat. Donc, il est possible d'avoir, par exemple, le double de la source que cette unité donnerait en temps normal. Il est possible d'avoir comme récompense une relique, des points de CP également. Mais lorsque vous allez rouler le dé, vous devrez l'assigner à une des créatures adverses en jeu. Et lorsque vous allez terrasser cette créature, seulement vous, si vous réussissez à la terrasser dans cette vague, vous allez récupérer la récompense correspondante.
Nous avons également le laboratoire de reconstruction qui va nous permettre de manipuler nos propres spires. Juste ici, cette amélioration va vous demander 3 investissements si vous voulez vous rendre au dernier stade. Le premier stade va vous permettre, une fois dans la vague, de rapatrier l'une de vos spires qui est déployée sur le plateau. Donc, en récupérant même la moitié de son coût en source. Donc, une spire qui est gravement amochée, vous pouvez décider de la rapatrier et regagner la moitié de sa valeur en source. La deuxième amélioration va vous permettre, si vous terrassez une spire avec une unité propre à votre faction, donc seulement avec une unité de The Uprising, vous pourrez voler les restants de la spire, une des améliorations de celle-ci, que vous allez placer près de votre baraque. Et dans un prochain tour, lorsque vous pourrez construire une nouvelle spire, vous pourrez ajouter cette amélioration parfaitement gratuitement. Et la dernière phase de cette amélioration de cette partie va vous donner le dé d'amélioration. Ce dé va vous permettre d'augmenter la capacité maximale d'amélioration qu'il est possible de placer sur une tour pour la durée de la vague. Alors ça aussi, ça peut être très intéressant. Nous avons un peu plus à côté, juste ici, Spatial Research Station qui va vous donner des avantages en lien avec le déploiement de vos spires et également l'utilisation de vos portails, de vos warp gates. Si vous investissez dans la première amélioration, vous pouvez déployer des spires partout sur le plateau. En fait, vous n'êtes plus limité au puits de source. Vous pouvez maintenant les mettre sur n'importe quel territoire, à condition en fait que ça ne soit pas un sentier, une route. Et la deuxième amélioration va vous permettre de faire plus de dégâts lorsque vos warp gates seront attaqués. Normalement, elles ripostent en infligeant un point de dégâts, mais ici, ils vont riposter en infligeant 2 points. Donc, une bonne façon de se défendre. Et nous avons juste ici Headquarters avec 3 investissements possibles. Le premier va vous donner la possibilité de faire 2 CP au début de chaque phase de déploiement ou de préparation. Puisque le CP est très important pour déployer ce qu'on aura récupéré dans la phase marché, cette amélioration me semble très pertinent. Le deuxième investissement va vous permettre de déployer 3 héros simultanément sur votre plateau. En temps normal, normal, on est limité à seulement 2. Et le dernier investissement va vous permettre de placer 2 équipements sur un même héros, en fait sur tous vos héros qui pourront maintenant accueillir 2 équipements, et vous pourrez même équiper vos héros en cours de partie. Et la dernière partie de votre forteresse qu'il est possible d'améliorer est ma préférée, juste ici, Covert Opus. Cette amélioration peut être améliorée 3 fois, mais dans l'ordre de notre choix. Et cette partie va être des missions, donc un peu comme des accomplissements que vous pourrez, si vous le désirez, essayer d'atteindre. Par exemple, si vous avez une unité, pas un héros, une créature en fait, avec 1 point de vie ou 2, et que cette unité, que cette créature réussit à terrasser un héros, vous allez récupérer une récompense. Si vous avez n'importe quelle unité en votre possession qui réussit à terrasser une autre unité qui a un niveau de vie, de points de vie supérieur de 2 à celui de votre unité qui attaque, vous allez encore une fois récupérer une autre récompense. Il y a même la possibilité d'aller saboter les améliorations des autres factions si vous réussissez à avoir l'amélioration en question, mais que vous réussissez à envoyer l'une de vos créatures à la forteresse de votre adversaire. Au lieu d'infliger des points de dégâts à la forteresse, vous pouvez décider d'infiltrer la forteresse de votre adversaire et d'aller saboter complètement pour une seule vague, en fait la prochaine qui va se commencer, une partie complète de la forteresse, des améliorations qu'ils auront débloquées. Alors ça, je trouve ça génial d'avoir la possibilité de remplir des missions, et lorsqu'on l'a récupéré, lorsqu'on a réussi cette mission, on enlève le jeton d'amélioration, il est possible de l'acheter à nouveau pour essayer de la remplir encore une fois.
Alors voilà pour cette vidéo avec la faction The Uprising. Je crois que je vous ai vraiment donné beaucoup d'informations concernant cette faction. Vous avez la plupart, sinon toutes les informations concernant The Uprising. Dernière chose que je tiendrais à vous dire, c'est que évidemment, puisque cette faction introduit une tonne de jetons mercenaires, on a donc de nouvelles habiletés à prendre en considération qui ont été ajoutées sur une nouvelle feuille ici qui en fait état. Donc ça, c'est très 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 important d'avoir ça à portée de main. Même si vous êtes familier avec les anciennes habiletés du jeu de base, anciennes habiletés, il y en a tout plein qui sont ajoutées et je veux vous garder des surprises. C'est pourquoi je ne vous en parlerai pas davantage. De toute façon, puisqu'il s'agit des habiletés des jetons mercenaires, n'importe quelle faction peut les récupérer et vous allez voir, il y a vraiment du bonbon caché parmi celles-ci. Donc je termine ma vidéo en vous invitant à jeter un coup d'œil à la campagne de Cloudspire Inkar's Plunder qui sera lancée sur Kickstarter dès demain, le 14 avril. Vous pouvez également aller voir mon autre vidéo qui présentait la deuxième faction qui sera disponible, Horizon's Wrath, et surveiller notre chaîne parce que d'ici quelques jours, je pourrai vous proposer ma critique sur ces deux factions, qu'est-ce qu'elles ajoutent au jeu de base et si, selon moi, c'est vraiment pertinent de les avoir. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine.